Tant pis. Je peux la récupérer. Ouh, safe. Bon ben voilà, allez. Retour de la VOD. La VOD précédente est dégueulasse, c'est normal, j'avais oublié de la relancer. Donc j'ai récupéré la qualité Twitch qui est un peu moins bonne. Donc les outils c'est bon, voilà, les outils c'est bon, j'ai relancé. Mais quel cake! Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, oublier de relancer la VOD. Ça m'arrive de temps en temps. Il manque un petit icône dans le script qui dit attends, c'est pas lancé. Je peux faire nickel. Heureusement, Twitch garde ma vidéo. On va juste à télécharger les 3 heures de stream et retrouver mon heure qui manque. Je l'avais jamais fait doubler d'enregistrer. Si, j'ai déjà fait. Premier live de Witcher 3. Ah non, non, premier live de Witcher 3, je pouvais pas. Parce que j'avais pas enregistré XSplit, donc je pouvais pas encoder de manière. Par contre, aussi, j'ai dû l'oublier une autre fois, mais c'était pas très grave. Genre, c'était un quart d'heure. Et le micro aussi, le micro, j'ai déjà parlé dans le vent pendant 3 plombes. Encore, c'était quand la dernière fois, je sais plus. C'est pour la fin de 8 heures. Oh là, t'es du calme, toi. Il. Je crois pas où il est, il faut mieux il. Hein. C'est pas ton boulot à moitié. Hein. Donc, bonsoir, j'ai Elix sur le stream. Moi, je dis bonsoir comme ça sur la VOD, ils croient qu'il y a beaucoup de monde qui passe et tout. On est trop beaucoup. T'aurais dû venir avant, on aurait été 3 sur le chat et tout. C'était le record de gens qui parlaient. Où qu'il est le monsieur? Il n'est pas là. Ah, il est où? Chiting. Oui, le changement de source, ouais, ça. Ça, je l'ai déjà fait. Alors, Chocobo s'en va. Alors, on va prendre du ninja parce que c'est comme ça. Il faut une quête. Ah oui, bah, forcément, il faut ma quête. Il faut ma ceinture. Voilà. Ok. Alors. Bon, puis voilà, c'est bien. GLX, il pourra faire le support live streamer pour Lily. J'aurais pas besoin d'expliquer s'il faut. Hier, j'ai essayé de l'expliquer à un de mes streamers hier, c'était un peu la galère quand même, parce qu'il avait, je sais pas quelle protection sur son PC, ça voulait pas l'installer, enfin, ça marchait pas, enfin bon, c'était chiant. Au final, je crois que ça a pas marché. C'est con, il était sympa, il m'a tenu compagnie au moins 6 ou 7 heures quand même. Hein. On a pas mal discuté hein, en 2 jours. Ah, bonjour Dolas21. Alors, je pense l'acheter demain, j'y avais déjà joué à l'époque, mais j'ai eu un peu peur d'être perdu. Ah, d'être perdu. Perdu dans quel sens? Parce que les quêtes elles sont vachement, enfin voilà quoi, tu suis ce qu'ils te disent, hein, c'est pas très compliqué. Après oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est assez bien expliqué. Hein, après tu peux toujours trouver des gens pour te filer de l'aide. Hein, par exemple, moi, en streamer, tu prends des streamers comme moi qui n'ont pas beaucoup de viewers hein, qui passent. Je suppose que les autres streamers sont tout aussi sympas et répondent aux questions, hein. Moi je fais que ça. Hein. Ces derniers jours, j'ai plein de gens qui sont passés pour savoir est-ce que le bardet c'était bien, machin, comment ça marche, comment on sait sur PS3, que font nos sorts, parce que comme on n'a pas de souris, on peut pas survoler, enfin voilà quoi. Évidemment si tu vas chez les streamers qui ont 500 viewers, ils vont peut-être pas voir ta question. Mais voilà quoi. Après être perdu, pareil, si t'es sur. Après je sais pas, mais bon. Ceux qui sont sur Moogle, hein, ils peuvent me faire des requêtes d'amis, moi je réponds aux questions. Ah non, c'est pas. Faut pas le tuer lui, il faut lui poser des questions. Bon. Non, il se casse, d'accord. Vas-y, mets-moi un vent, je dirais rien.
Alors, je vais pas avoir de potes qui vont y jouer, mais j'adore l'univers, donc je me tape. Ah, bah alors moi, tu vois, j'avais des, oh, bah, des potes. J'avais toute la communauté de la FTV, hein, je ne cible personne sur le chat. Bon, ils jouent pas, mais... Ils sont tous ici. Là. Voilà. Dont un certain Valokar. Bon, Valokar, il a jamais payé, il est venu en gratos, mais... Qui ne se sont pas connectés depuis 3 plombes, donc je joue tout seul aussi. Mais pareil, j'adore l'univers, donc à la limite, jouer à un MMO tout seul, moi, enfin, après ça dépend des gens, mais moi ça me dérange pas, je fais mes quêtes, j'ai besoin de faire une instance, bah y a la recherche de donjons, donc je trouve du monde. Évidemment, ça va moins vite que de faire en guild, mais c'est pas très grave. Oui, je réponds aux questions. Moi perso, ça fait... Bah voilà, ça fait depuis qu'il est sorti, j'ai fait l'alpha, la bêta, je joue tout seul, ça m'a pas dérangé quoi. Et après, comme tu dis, je sais pas sur quel serveur t'aimes, c'est sur Google, tu peux venir avec moi, moi j'y suis tout le temps, moi ça fait deux ans que je suis sur le jeu, et pour l'instant j'ai pas envie de l'arrêter, hein, donc il y suis toujours là, hein, peu présent et tout. Après au pire tu trouves une guild, sinon sur ton serveur, ça va... Tu te fais des potes, hein. Moi je sais, je m'étais fait plein de potes sur la guilde sur World of Warcraft. Hein. Après là, j'ai voulu lever le pied. Oh putain, il faut l'attaquer. Sur FF14, j'ai voulu lever le pied de raid. Donc c'est pour ça que quand la guilde était vide, là, j'ai pas voulu en rejoindre une autre. Souvent les guildes. Attends, je finis ma phrase et je réponds à la question. Souvent les guildes, il y a quand même des minima de participation et de raid tous les soirs et tout. Ça fait chier. J'avais pas envie de m'appliquer autant que sur World of Warcraft, je reste dans ma guilde tout seul et puis voilà, j'ai juste la guilde pour moi. Donc ce qu'apporte l'extension, elle apporte toute la nouvelle zone d'Evensward, donc toute la zone Coertas du Nord, enfin Coertas, allez lève-toi, le vol déjà. Donc elle apporte 9 zones, je crois, une nouvelle ville, une nouvelle capitale et genre ça doit être 8 ou 8 zones, je sais plus exactement. Donc déjà il y a ça. Ensuite elle apporte niveau 50 à 60. Esthétiquement, les nouvelles zones sont très jolies. Les autres, elles n'ont pas beaucoup changé, il n'y a pas eu de changement sur les mèches. Après c'est pas non plus dégueulasse, hein, FF14, hein, j'ai vu des trucs plus dégueulasses. Hein. Il n'y a pas d'énormes changements d'esthétique. Par contre ils se sont fait plaisir sur les nouvelles zones, surtout qu'on peut voler dedans. Histoire qu'on puisse les voir bien, avoir un bon champ de vision et tout, contrairement à avant. Donc on a le niveau 50 à 60, on a 3 nouveaux jobs, le chevalier noir, tank, le machiniste qui est un archer mais avec des fusils, DPS donc, et l'astromancien qui est un heal. On a donc toutes nos classes, les up des classes métiers aussi niveau 60. Donc on a les chocobos qui peuvent voler. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre pour vendre le jeu? On a tous les nouveaux donjons évidemment, tous les niveaux primo, on aura le nouveau raid, l'Alexander. On a... Donc déjà tout ça, ça occupe pas mal. Hein. Hop. À la guilde, on peut acheter un... Ah, pardon. Ah, au secours. Le chat, tu dégages. Le chat dans ma gorge. Dans la guilde, on peut acheter un atelier, on peut crafter un... Alors c'est moins bien qu'on se compensait, mais on peut crafter un... Un planeur, un dirigeable, mais on peut pas le piloter en fait. Tu l'envoies en mission dans une zone. Je te vendrai pas un MMO. Oui, bah après, c'est chacun son truc. Hein. En même temps, je te vends pas des MMO. Et tu passes 270 heures dans Hero Truck. Alors bon, mais même, hein, même sans la partie MMO, tu peux bien le faire. Tu peux bien y jouer tout seul, hein, franchement. Tu vois, de temps en temps, moi j'aime bien, en fait, la partie, ce que j'aime bien dans le MMO, c'est de croiser des gens de temps en temps, en fait. C'est pas avoir toujours, quêter en guilde, enfin, quêter en groupe, ça me fait chier, parce que tu suis les autres, tu peux pas faire comme tu veux.
Mais quêter, et puis filer un coup de main à un mec qui passe, ou foncer tous dans une aléa pour la faire, enfin, c'est marrant, c'est rigolo, quoi. C'est du même minimum, on va dire. Par contre, si on trouve dans le commerce des abonnements 2 mois sur PC, ils fonctionnent quand même sur PS4. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, les abonnements sont communs. Enfin, non, alors attention. De toute façon, l'abonnement que tu trouveras dans le commerce n'est pas spécifique PC. L'abonnement que tu trouves dans le commerce est spécifique à ton compte. Donc si tu as son compte, si sur ton compte, voilà, tu as une version PS4 ou PC d'enregistrer, ça va aller dessus. Moi, par exemple, j'ai les deux, j'ai PC plus PS4. Si j'achète 2 mois gratuits, enfin 2 mois, ça va se mettre sur mon compte, donc je pourrais jouer soit sur PC, soit sur PS4, quoi. Les abonnements que tu achètes, c'est pour ton compte. Et ton compte, dessus, tu lis soit le PC, soit la PS4, soit les deux, en fait. Soit la PS3. C'est ça qui est cool, d'ailleurs. Une petite découverte. D'ailleurs, scruter, c'est ça qu'on scrute? Merde, c'est pas scruter. Oh, fait chier, c'est quoi? C'est pas scruter. C'est quoi? Je sais pas. Montrer, peut-être. Non, pas ça. Donc oui, l'abonnement c'est par bon compte. Donc là-dessus, tu peux acheter les cartes dans le commerce, ça fonctionnera sur quelle que soit la version que tu as. Pas saluer, si, non, montrer, c'est où montrer? Toucher, scruter, je vais tous les faire. Non, c'est pas ça. Le mec qui sait pas quelle émote c'est. Allez, c'est quelle émote? Bah allez, je les ai toutes faites là. Bah, je suis pas là, je suis sur le lieu notoire. Où qu'il est? Carnet, non pas carnet d'objectif. Carnet d'exploration. Bon, je suis où? Je sais même pas dans quelle zone je suis. Zénith. Dans la beauté, quoi, pour prier. Ah, peut-être prier. J'ai prié pour toi. Danse un peu. Oui, je peux danser aussi, mais... Alors, je peux danser. J'ai plusieurs danses, hein, si tu veux. Oups, ils se sont fait plaisir, là-dessus. Non, mais... Ah, je peux me mélanger. Alors, je peux faire des claquettes, hein. Tranquillou, hein. Voilà. Je peux faire la danse des moissons. De rien, de l'as. Et oui, l'abonnement marche pas. Je me fais la danse de la cour. Allez, à demain, Lee. Enfin, ouais, sur IRC. De toute façon. La danse du gentilhomme. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Hein. Épique. Et la danse du bonbon. Après, je peux faire la super pose du détective. Ouais. Le détective il dit prendre. Bon alors est-ce que c'est prié? C'est où prié celle-là? Bah voilà, c'est prié, bah pourquoi je l'avais loupé? Attends, j'avais tout fait. Ah allez, hop. Donc il faut faire un truc ici, je sais plus quoi. En haut, en bas, en haut. En bas. À droite. À gauche. Oui, je ressors du Yannick hein, parce que c'est tellement. Qu'est-ce qu'il veut? Utilisation impossible maintenant. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui m'attaque? Ah oui, il y a quelqu'un qui m'attaque. Non, pas par là. Alors, 1 et 2, 2. Je suis où là? Il me
manque 600 000 points d'XP. Ah, j'espère que dans la jolie zone verte, il y a beaucoup de quêtes. Hein. Parce que ça va être chaud sinon. Hein. Sinon, il va falloir farmer de l'aléa. Pas envie là. Il va falloir que je le fasse pour tous les autres persos parce qu'il n'y aura plus de quêtes. En même temps, j'ai encore un primordial là-bas. J'ai encore plein de trucs à faire et il ne me reste plus que 3 niveaux. Et j'ai une histoire principale qui avance pas. Je comprends pas trop, monsieur Square, là, avec vos quêtes, ce que vous, vous faites. Alors, faut aller par là-bas, je sais plus où. Le problème avec FF14, c'est que moi j'ai pas envie d'arrêter de la nuit. C'est chiant. Toujours envie d'en faire plus. Enfin, pour l'instant, quand je farmerai les aléas, je pense que ça me dérange un peu d'aller dormir. Ça va me faire chier. Hop. Enfin, ça me fait chier. Non, ça me fait pas chier. Bon, c'est un peu répétitif. Allez, là-bas, avec un peu de chance, c'est la dernière quête de la zone. Tel que je les connais, on refait une autre. Hop, allez, auto-vol. Le temps de regarder un peu ça. Donc on va aller à... Donc, il faut qu'on j'ai fini, donc on va aller à la écume des cieux. Ah, j'aime bien cette zone, mais on n'y a pas beaucoup allé. C'est genre, on te la montre au début. Elle est jolie, hein. Ah bah, tu vas pas farmer ici. Tu vas aller à Coertas, c'est la zone que tu connais par cœur. De la neige et de la montagne. Alors... Une petite quête, en plus il fait nuit, on voit pas trop. Où c'est la quête? Lumière, je peux pas voler ici! J'avais oublié. Oui, alors je peux pas fail en mourant en tombant, hein. Ça nous met à un PV dans tous les cas. Par contre, comme la dernière fois, samedi, je peux fail en me faisant attaquer en arrivant en bas. Ça par contre. Ou encore mieux, c'est t'arrives en bas et là t'as un vieux missile qui tue de 3 km qui t'achève. Allez, qui troll des boss. Je te file ça. Allez, donne-moi une quête, hein, donne-moi une quête, quelque chose. Ok, donc maintenant il faut aller là-bas. Bon, ça c'est normal, je m'y attendais. Mais maintenant c'est juste que je veux qu'elle me file des quêtes. Voilà. Oh, même pas un PV. J'ai dû bien tomber. Après le truc, ça va être de choisir quel jour je fais du Euro Truck City Skyline et quel jour je fais du FF. Bon, de toute façon, tant que je suis pas 60, de toute façon, et j'ai pas fini la quête principale, on fait rien d'autre. Mais bon, d'ici ce week-end, ça devrait être bon. Parce qu'après, il va falloir que je réfléchisse à un planning correct. Je pense que le samedi soir, c'est bien.
vendredi ou samedi soir. Genre 3h de 6 israélien pour commencer, 21h minuit. Hein, parce que de toute façon, il n'y a jamais personne qui me regarde sur Eurotruck à 21h minuit. Ils arrivent tous après. Et après, je fais du Eurotruck de minuit à 3h du mat. Pas mal, ça. C'est 1h et 2h. Allez, donne-moi une quête. Hein. Pitié, donne-moi une quête ou fais-moi popper plein de quêtes dans la zone. Un truc qui va se vendre, de la dextérité, allez. Oui, une quête. Oui, plein de quêtes. Ah, super. Et un vent éthérien, super. Ça, c'est cool. Bon, bah, on va un peu avoir de quoi nous occuper. Bon, même s'il me faudrait 600 000 XP, ça me fait 3 fois 6, 12. Il me ferait 12 quêtes. Minus minima minus l'XP que je vais prendre en faisant les mobs, mais bon, ça fait pas grand chose. Les aléas, si j'en croise, moi je serai d'en faire. Où qu'il est, où t'es, monsieur, t'es où? Ah non, t'es au fond, ce qui me semblait, c'est toujours pas clair. Je sais plus lire ma minimap. Alors... Ok... Pour l'instant, ça m'emmène pas très loin... Bon, il faudrait surtout une quête qui m'emmène là-haut. Parce que, comment dire... je peux pas y aller pour l'instant. Enfin si, je crois que je peux y aller en passant par là, mais je sens que je vais me faire OS en arrivant par là. Fait un viewer en plus, ça fait 80 quelque 14e follower. Ta montre. Bon, c'est bien de mettre les donjons sur YouTube, ça marche vachement bien comme vidéo. Ça, c'est, il y en a un, il est déjà 45 vues depuis hier. Et c'est pas par là. Où es-tu? Non, c'est par là-bas. Hein. Oh, 8h40. Bon, vu que le serveur il m'a fait chier, je fais un quart d'heure de plus. Hein. Je vais aller jusqu'à minuit et quart. Voilà. c'est la faute au serveur. Après, je vais m'éclater à retrouver mon passage que j'ai loupé. Comment je vais faire? Voici, il est facile à récupérer. C'est à partir du moment où le serveur a planté jusqu'à l'écran de machin. Voilà. Où qu'il est, il est au fond là-bas. Ah oui, c'est l'autre qui est dans son jardin. Je me souviens. Je veux pouvoir voler. Et le dragon. Ah, le dragon en monture volante. Je veux trop. Je sais pas où on loot ça. Je viens de bloquer sur la pub de TF1. Pourquoi les mamies ont toujours des caniches? Oh putain, je viens de mourir de rire. On pouvait pas mettre un 5-7 du bus. Ok, je t'apporte tes sacs. J'ai l'habitude de faire le coursier. Non, je trouve pas l'exclu bidon. De quoi l'exclu bidon? Alors, c'est pas... Non, c'est pas là du tout. Hop! J'ai toutes mes quêtes là, donc je vais pouvoir aller faire le tour des mobs. La tournée des mobs.
Alors, c'est un trou, il y a un trou. Hop, pouf. On commence par là-bas. Oh, c'est chiant de pas pouvoir voler. Une fois que t'as volé une fois, t'as envie de voler partout, quoi. Mais là, je n'ai pas le droit tant que j'ai pas récupéré tous les vents éthériens. Et il me manque... C'est en bas, il me manque 4 quêtes et... Enfin, 4 quêtes qui donnent des vents éthériens et 4 vents éthériens qui sont trouvables dans la zone. Mais ils sont tous là-haut, en fait. Ils sont tous là où j'ai pas le droit d'aller. C'est super. Mais bon. Puis, de toute façon, comme d'hab, le dernier vent éthérien de quête, il va être sur le donjon qui est là-bas. De toute façon, je pourrais pas voler tant que j'ai pas fait le donjon. Est-ce que je peux sauter par là? Oui. Hop. XP en plus sur une quête à 36 000, ça serait un peu cheaté. Mais sur les mobs, c'est toujours sympa. Même si une ville que 200 trucs, là, je sais plus, c'est 500 XP qui me fait. Comme c'est pas mon meilleur bienfait celui-là. Le stock, je les avais achetés avant l'extension. Pas de bol à l'extension, ils ont pas fait des nouveaux. C'est pas niqué! Ah, c'est bien chaud. T'as cassé son AO. Ah oui, bah oui, va pour qu'il arcane direct derrière, super. Pour qu'il casse tout le monde. On fonce pas dessus. Alors, on continue de monter. C'est trop chelou là-haut. Ah, mais allez, monte. Alors là, oh, ils sont. Merde, ils sont là-bas. Oh, fichu. Il y en a un là où t'as tout tué. J'ai plein de points partout, mais pas où je suis. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas. Voilà. Voilà le fail dans lequel je parlais. Oh, puis en plus. Ah non, c'est. Non, c'est pas bon. J'ai pas remis mon point de spawn au bon endroit. Oh là, fais chier. Et c'est le fail. Vas-y, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah oui, mais, ah oui, c'est pour ça, il y a l'écume des cieux de Ravania et l'écume des cieux de... C'est pour ça que je les mélange toujours en fait, parce que les noms des zones elles commencent pareil. Et vu que je me suis arrêté à l'écume des cieux, moi... Ah mais Lily aussi m'a follow, ah bah c'est cool, ça me fait deux. Ça va se faire spammer avec... Néné a commencé à streamer 50 fois par jour. Allez, donc là, cette fois-ci, on se plante pas, on remet le point de raise ici. Voilà. Donc, on repart. Ni saute. Bon, moi, tu me diras, je serai en bas pour les mammouths. Et l'autre, je sais qu'il est en bas aussi. Ça, j'ai pas besoin de monter. Donc, plus que redescendre par... Pas par là. Par là. Toi, tu m'approuves pas solo. On va attendre de régénérer un peu. Tu veux pas m'envoyer un petit heal, le chocobo?
peux pas le... Tiens, l'autre, il est pas prêt de prendre un niveau, mon Choco. Oh là. Non, tu pars. Attends, j'arrive. Attendez, j'arrive. Partagez. Je vais aider. Par contre, après, je vais aider. On va. Voilà. On a pas. Je sais pas trop, c'est bizarre. Ah merde, ils font tuer 4. C'est pas drôle, les mecs. Juste 3. Voler. Faut que je me mette ça dans la tête. Je ne peux pas voler. Arrête de faire de double saut. Bon, les mammouths, vous êtes où? Hop. Hop là. Bon, vengeance. Je sais pas si c'est toi qui m'as tué, mais c'est toute ta famille. Tu vas morfler à sa place. Chouette bizarre. C'est une chouette qui se bat à main nue. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je sais pas ce qu'ils fument les mecs qui designent les mobs, hein, mais je pense que c'est de la bonne. Hein. Ah mais il est pas mort, il meurt. Sur qui je l'attaque, sur quoi je vais venir, non ça va. Ok, vas-y, test. Application mobile, ouais, je vois que ouais, 1500 pour le mobile. Parle, voir si elle entend un 2 sur 5. Alors racontons de la merde, mais racontons-la bien. Je sais pas. Hop, il me reste plus que des mammouths. Où sont les mammouths? C'est des mammouths, hein. Ils ont, ouais, c'est ça. Donc, on peut s'aller par. Non, il y en a. On peut monter par là? Non, on peut pas monter. Ensuite. Du Getzer Flying, oui d'accord, ok. Hop, allez, monte, non, il peut pas. Bon, on va faire le tour, hein. Pardon, il est chiant. Ouais, mais c'est, je te dis, c'est pas forcément le débit de ta connexion, c'est peut-être juste le lien, et peut-être que le lien 3G ou 4G ou je sais pas, il marche mieux que le lien internet, enfin le peering, il marche mieux. Hein. C'est juste une histoire de serveur, et puis il n'y a pas de serveur intermédiaire, et puis de routeur. Peut-être que ton 3G il passe mieux. Hein. C'est comme le problème que tu avais avec YouTube, hein. T'as voulu avoir une super connexion, ça faisait de la merde. Hein. Ou alors c'est juste Google. Ah non, t'as... ah oui, c'était. Non, ok. Ton téléphone avec le wifi, pardon, sûrement. C'est moi qui ai mal compris. Ah voilà, ça y est, c'est la fête des follow, j'ai les soucis. Merci les gens, vous faites monter le compteur, comme ça on a l'impression que ça sert à quelque chose. Peut-être que les gens ils fuiront moins vite quand ils arriveront. Ouais, ton test en wifi, c'est ton tel en wifi, donc forcément c'est la même connexion. Après, on a aussi vu des fois ton ordi il fait de la merde avec le wifi rien qu'avec IRC, alors bon.
Alors que IRC, ça prend pas beaucoup de ressources. Donc, ensuite, il faut aller par là-bas. Hop. Ah ouais, j'ai vu GLX. Enfin, mais oui, mais quand je dis 500 viewers, c'est 500 viewers sur live, hein, pas 500 viewers inscrits. Hein. Des viewers inscrits, ils s'en foutent. Hein. Eux, ils veulent des viewers permanents sur le live. Mais bon. Ça fait peser, on va dire, le chiffre là, par rapport aux autres viewers qui passeraient sur la chaîne, tu vois. Ah tiens, il n'y a pas juste deux personnes qui follow. Peut-être que je vais regarder plus que 5 secondes, voir toute la merde que Xeli raconte. Mais ouais, ils veulent 500 viewers en moyenne sur le stream, quand ça stream. Enfin, en même temps, vu ce que rapporte la pub, tu m'étonnes que pour payer un serveur, il leur faut 3 millions de personnes. Mais bon. Non, le seul truc que je regrette, c'est qu'on puisse pas nous-mêmes envoyer plusieurs qualités, parce que ce serait largement faisable. Là, je pourrais encoder en plus un stream en 480p et l'envoyer. Hein. J'en enverrai deux, j'en enverrai en 720 et en 480, le PC il aurait pas de problème. Et... Ah, en live, il doit être visible avec le token. Ouais, mais je crois que... Attends, je sais plus comment ça marche, parce que... Ouais, comment ça marche? Non, mais tu t'en fous, en fait. T'as pas besoin du token. Le viewer, c'est viewer, inscrit ou pas. Par contre... Oui, par contre, moi je vois même pas ton nom, hein, donc je vois juste que t'es sur le chat, mais je vois, enfin, ou alors c'est caché quelque part, mais je ne sais pas voir les gens qui sont pas sur le chat, mais sur le stream. Je vois juste le chiffre. Oui, ça serait moche en 480p, mais c'est ce que ou du 520 au pire. Du 520, ça, du 570, ça passait quand j'avais ma connexion à des salles de merde. En 800 kbps seconde, ça passait raisonnablement bien sur le Witcher, et puis là ça bouge pas. Mais ouais, je pourrais envoyer un flux, mais ils veulent pas. Et peut-être que dans ton nouvel appartement ça marchera du feu de Dieu, on sait jamais, hein. Nouveau câble et tout. Bon, il est où ce dernier truc? Ah, là-bas. Attendez pas, gros, j'ai pas envie de... Tu me regardes pas, hein. Tu me regardes pas, tu viens pas. De toute façon, Chocobo, il peut pas, gros. Voilà. Oui, c'est pas sur le chat, t'as le token, de toute façon, je vois ton pseudo, donc... De toute façon, tu peux pas te connecter sur le chat si t'es pas logué, donc... Enfin, je crois pas. Semble pas. C'est pour ça que souvent, j'ai les viewers, mais je vois plus de viewers que de gens sur le chat. De toute façon, tant que Twitch aura pas réglé son problème que sur IRC on voit plus les utilisateurs, ça va me faire chier. Parce que sur l'appli chat web, ça se met pas à jour. Il faut fermer le truc et le réouvrir. Donc c'est pas pratique non plus pour moi. Non, elle l'aura pas, ils ont pas fibré. Donc la fibre elle passe pas non plus dans sa rue, enfin, c'est dommage, c'est con, moi je trouve ça dommage que ils font les travaux EDF haut et tout ça, donc ils font des trous dans la rue, et France Télécom d'ailleurs, moi je serais Orange, bon, je tirais au moins mon câble, après les autres ils font ce qu'ils veulent, mais oui c'est vrai que t'as pas, ouais mais ouais. Bah à leur place, je poserai la fibre, même s'il n'y a pas la fibre dans la ville. Comme ça, il n'y a pas besoin de refaire deux trous. Bon, ça arrivera bien. Hein. Montévrain, c'est pas loin de Disney. Va pas me dire que c'est pas dans leur plan. Je suis en train de tourner en rond, je sais même pas si j'ouvre. Tu vois que c'est pas le bon endroit. Comment on monte là-haut? J'en ai aucune idée. Parce que là je suis déjà allé peut-être par là. On va voir. Hein. Oui.
Oui, mais ce que je veux dire, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien techniquement, mais le câble, il est posé, il n'y a pas besoin de refaire des trous après. C'est surtout ça que je veux dire. Après, c'est de la fibre, hein, ça s'abîme pas, machin, il n'y a pas besoin de la changer. Hein, donc, si le trou est fait, autant foutre tous les câbles qu'il faut dedans. Parce que après, après, tu te retrouves que je sais pas par où faut passer, c'est super. On va passer 10 minutes à tourner en rond. Après, quand ils auront la ville dans montée 20, il va falloir qu'ils refassent un trou dans la rue. À part s'ils ont des égouts accessibles en bas, quoi, comme, comme Lyon ou Paris. Là, ils font pas de trous, ils passent par les égouts, par les catacombes, là, enfin les trucs où il y a des morts. Après, peut-être que ouais, l'immeuble, ouais, je sais pas. En même temps, si Lily elle dit qu'elle sait pas, enfin qu'elle pense pas que ça soit posé, parce que si elle avait une prise fibre, elle le saurait, quoi, même si c'est pas branché de l'autre côté, quoi. Mais peut-être tu auras une prise. Oui, je sais que tu veux sur tout l'appartement. Mais bon. Mais un appartement bien fini, c'est mieux aussi. Hein. Tout ce qu'il faut dedans. Après, c'est comme chez moi. Tu tapes les câbles, le nom de la plainte, c'est super, c'est dégueulasse. Allez, les lave la route. J'ai trouvé la route. Je pense qu'il faut monter par là. Bah monter 20, ouais, j'y pense pas. À Lyon, oui, mais ce que disait le gars Free, il faut qu'ils appellent la mairie pour prendre un rendez-vous, pour ensuite avoir. Enfin, quand je dis accessible, c'est enfin que tu puisses aller personne dedans, enfin que des personnes puissent aller dedans, voilà. Après, oui, c'est pas accessible open. Hein. Il faut qu'ils prennent rendez-vous avec la mairie et puis qu'il y a un gars de la mairie qui vienne avec eux. Évidemment, sinon tout le monde irait couper les câbles. Bon, c'est par là qu'il faut aller. Je sais pas ce qu'il faut y faire, mais on y va. Je suis dans la zone du trou. Allez, monte. Putain, il va pas vouloir monter par là. C'est pas là, je vois le truc. Ah non, je vois pas le truc. Si, si, je vois le truc. Ah, c'est un aéronef qui s'est écrasé. Bonjour, méchant. Alors, Chocobo, tu prends celui-là, moi je prends l'autre. Ah, clairement. C'est bien, non. Oh, mais arrête de lancer tes aoûts, toi. Alors, j'ai fini mon mob et Chocobo, il a pas suivi son mob. C'est bien. Bravo, Chocobo. Et c'est fini. Trois mecs à parler en fait. Là. 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 Et voilà, moi aussi je vais tailler mec. Et après lui c'est que les grands. Enfin les grandes villes. Hein. Moi d'ailleurs ça m'a étonné quand il m'a dit à Lyon. Hein, parce que je pensais pas hein, que dans ma rue c'était du. C'était du truc où on pouvait y aller taille humaine. Hein. Alors, j'ai fini. Non, non, viens pas me macro, toi, dégage. Dégage le spoon, je suis en train de regarder ma map là. T'es fini. Ok, on peut aller rendre déjà toutes ces quêtes. On va TP, hein, ça ira plus vite. Consim, hop. Ok, bonne nuit, Lily, à demain. Quart d'heure, c'est bon. Ce sera pour tout le live off que j'ai dû faire parce que le serveur il avait lâché et qu'on pouvait plus s'y connecter. Bon, c'est une excuse à la con, hein, oui, je sais, mais mais moi j'ai envie de d'avancer. Ciao, ciao.
peux pas faire la quête principale tant que je suis pas niveau 57, alors là ça m'énerve. Ok, super, ensuite à l'autre là-bas, dans son jardin. Cette chanson, je j'arrive pas à l'arrêter d'y penser, quoi. Elle passe trop bien. Elle rentre trop dans la tête, mais elle passe trop bien. Hop. Hop, c'est parti. Ensuite, là-bas. Ah, oh putain. YOLO! Ah non, il y en a un en bas. Tu me vois pas, je suis pas là. Tu me vois pas, tu m'aggro pas. L'élémentaire, il est passif, c'est bon. Ok. J'ai tellement hâte de pouvoir voler dans cette zone, elle est tellement classe. Mais d'ailleurs, la nuit, elle est longue là. Hein. J'aurais bien à voir de jour. Tout ça là et tout. Il ne me montre pas les herbes là, voilà. Tout ça là. C'est tellement joli. Ah, petite aléa, allez, faisons l'aléa. Ah ben non, il est déjà fini l'aléa. Merde. Ah, puis je suis trop haut niveau, je suis un peu mis du tout. Allez, on va faire l'aléa. On va voir ailleurs. Allez, elle a réussi, mais je vais pas prendre. Ouais, non, ça prend pas la... Oui, ça prend la tête, mais pas dans un mauvais sens. C'est pas... merde, je pense encore à cette chose. Tu l'entends chaque fois que tu es sur le chocobo. Donc... Après, elle est un peu différente quand t'as le fat chocobo. Elle est plus lente parce que c'est le fat, justement. Allez! D'ailleurs, j'ai pas essayé de faire voler le fat chocobo encore, ça doit être très bon. Ah merde, j'ai plus d'une quête active pour l'instant. J'ai mal barré. Oui non, c'est par là-bas. C'est tout par là-bas. Oh, c'est 10 km. Alors, je veux bien que dans cette extension, ils ont vraiment fait des zones énormes, mais c'est long. Vraiment chelou, hein, c'est... Ah, il faut trop rire. Alors, des nids. Non, c'est pas le nid qu'il faut que je fasse. Non, c'est pas le nid. Prendre un œuf dans un nid, si. Tu regardes où? Tu regardes par là-bas. Je suis pas là, tu m'as pas vu, hein. Je te pique mon œuf sous ton nez. Ah merde, il est pas assez gros. Et merde, ça spawn. C'est pour ça que l'autre aussi, je vais se voir, puisque c'était pas une... Il était vacciné avec le... Oula. Ah non, c'est un chocobo qui est en plein dans le haut. Ok. Alors, ici, est-ce qu'on a quelque chose? Alors ça va être le dernier que je vais faire comme d'hab. Non. T'as réussi à vendre tes cartes Steam en fait. Et
Ok. Ah non, mais un gros pas le gros. Ah, c'est bon, j'ai pas un gros. Dernier nid, ça me tue là-bas. Allez, ah ça y est, j'ai un œuf. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Ah non, c'est plus XP. Oh, ça fait pas de XP. Bordel. Ils me sont arnaqués là. Ça des mobs, une de protection. Allez, je suis en train de... Donc, on va là-haut. Alors, attends. Hop. C'est où? C'est de nouveau... Ouais, c'est de nouveau là où je suis passé tout à l'heure. Donc, c'est par là. Ne nous trompons pas de route. Non, c'est par là. Non, c'est pas par là. Non, c'est pas par là. C'est par là. C'était plus simple quand les maps elles étaient en 2D. Plates. On se perdait moins avec des en haut, en bas, au milieu. Alors ensuite c'est par là-bas. Même si ça m'a l'air en dessous, mais bon, c'est pas grave, au pire on sautera. Il vaut mieux être trop haut que pas assez. Surtout tant qu'on peut pas voler. Ok. Normalement c'est ici. Ah, c'est les girafes bizarres qu'on va falloir tuer. Ouais. Girafe chelou avec un dos encore plus chelou, hein, c'est le truc difforme au possible. Ça va pas me compter là, 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 non, celui-là il est bientôt mort, il y en a un derrière. Celui-là il est pas bientôt mort, avec un peu de chance, je devrais pouvoir me faire contre. Si je fais suffisamment de dégâts. Voilà. Ok. Et le dernier. Petit, 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 petit. Petit, il reste combien un chocobo là? 7 minutes. Bon, bon, on va attendre que chocobo. Le mec qui cherche des excuses à 2 balles. On va attendre que le chocobo il soit annulé.
Et tout le monde est en train d'attendre le pauvre truc, on va lui sauter à la gueule dès qu'il va popper. De toute façon, il va popper par là, c'est moi qui ai tué le premier et c'était par là. Pourquoi il y en a bien? Non, il n'y en a pas bien. Ah, STP, ok, bon, s'il veut. Où est-ce que je vais pouvoir... Ah, là, il y en a deux. Ok, donc, non, ne m'aggro pas. On va rendre les quêtes. Oui, non, mais c'est pas ça que vous voulez faire. Hop. Sur le chocobo, tu restes sur le chocobo. Avant, tu pouvais pas te TP sur le chocobo. Par contre, on peut toujours pas causer avec les mecs sur le chocobo, c'est chiant. Il y en a suffisamment gros. Oui, j'ai trouvé un gros 9. Ah, on fait une grosse omelette. Ok, ensuite. L'autre, moi non, voilà des quêtes, hein. Il n'y a plus qu'une probable. Dans le pire des cas, il ne reste plus qu'une. Enfin, une. Voilà. Waouh! J'ai réussi à tomber sans prendre de dégâts. Ouais, pas mal. Hein. Alors c'était l'autre bout. C'était par là. J'ai l'impression qu'ils ont... Ouais non, peut-être pas. Il a réduit le nombre d'aléas. Enfin, mais c'était peut-être le jour de la sortie. Le soir de la première. Le truc quoi. Il y a de l'accès anticipé. Il y a toutes les aléas qui étaient synchro. C'est pour ça qu'on pensait qu'il y en avait beaucoup. Ah, bienvenue la mission. Il n'y a plus de quête. Merde. Bon ben voilà, ça veut dire va te coucher. ça c'est le signe va te coucher. On va aller à Edgard. À mon avis, il n'y a pas de nouvelle quête là-bas. Et demain, il faudra farmer les derniers, 400 000 XP avec des aléas. Bon, pourquoi pas. Ok, bon, là je suis là. Ouais, le jeu qui m'oblige à m'arrêter, tu sais. En plus, il m'oblige pile à l'heure, hein, écart. Hein. Bon, il est 18. Hop, ça c'est bon. Et où ma souris? J'ai perdu ma souris. Voilà. Allez, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour YouTube demain soir. Pour ceux qui veulent. Hop. Et puis voilà. Bonne nuit. Merci d'être passé.